La dégringolade continue, les vues sont en baisse. La vidéo Gaz de Ville contre Magie de Glace n'a pas rencontré son public. En même temps, tu t'es fait dézinguer parce que t'as gaspillé des ressources naturelles. À partir de maintenant, je ne ferai plus de dépenses inutiles. Tiens, c'est mon dernier achat aux enchères. C'est quoi ? Un magazine. Il contient les résultats du sondage que le Sega Saturn Magazine avait lancé auprès de ses lecteurs. Je les avais ratés à l'époque où ils étaient sortis. Je ne veux pas mourir sans les connaître. C'est sans doute parce que je me suis raccroché à cette pensée que j'ai pu survivre aux atrocités dans l'autre monde. Pour un truc aussi trivial. Takafumi, les résultats sont à l'intérieur. J'ai entre mes mains la toute dernière page de l'histoire de la Sega Saturn. Étonnamment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Qui est à la première place? Attends, tu files direct au premier? Hein? Le portage PC d'un jeu avec de jolies gonzesses. Oh, tu devais t'attendre à autre chose. T'es déçu? Non, j'ai pas grand-chose à redire. D'après les critiques que je lis, cette place est amplement justifiée. Cela dit, c'est quand même un peu triste. Comme quand un bad boy fanat de baston perd de sa superbe et devient tout mielleux à cause d'histoire de cœur. Je comprends. Non, c'est pas vrai. Le premier. Fondre le système d'un jeu de combat dans un jeu d'action à scrolling horizontal était révolutionnaire. Et la fluidité était impeccable. Et ils l'ont classé 197e. 197e.